Et je crois qu'un livre qui change la vie, c'est ça, c'est un livre qui vous habite. La lecture est indispensable. Un livre qui vous rend plus libre. J'ai décidé que mon territoire, que mon pays, ce serait l'écriture. Dire la vérité ne plaît pas à tout le monde. Nous sommes là, faudra faire avec. Chaque mot a sa propre énergie. On présente toujours les Africains, par exemple, sous l'aspect des gêneurs. Mais quand on avait besoin d'eux pour aller faire des guerres, pour libérer la France, c'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement, pour aller chercher le secret des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation, la pluralité sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux, ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi me manifester votre soutien en m'aidant financièrement à rester indépendante. Pour cela, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va. C'est le roman de la rentrée littéraire 2021. Il est sur toutes les tables des libraires. Son auteur est sollicité partout, dans toutes les émissions littéraires, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Le titre figure sur les listes de plusieurs prix. Bref, il est impossible de passer à côté de ce livre. J'ai résisté un temps, pourtant, agacée comme d'habitude par cette surexposition. Et puis un jour, j'étais sur le chemin de l'école maternelle pour aller récupérer mon petit dernier, casque sur les oreilles, écoutant un énième podcast. Parmi les invités de l'émission, Mohamed Mbougarsar. Arrivé devant l'école maternelle, c'est en automate que j'ai récupéré mon fils, tant j'étais absorbée par les paroles de l'écrivain. Et là, je me suis dit, s'il écrit aussi bien qu'il parle, je veux le lire. L'après-midi même, je me procurais son roman, intitulé « La plus secrète mémoire des hommes ». Et dès les premières lignes, j'entrais dans les pas d'un écrivain. août 2018. D'un écrivain et de son œuvre, on peut au moins savoir ceci. L'un et l'autre marchent ensemble dans le labyrinthe le plus parfait qu'on puisse imaginer. Une longue route circulaire où leur destination se confond avec leur origine, la solitude. Je quitte Amsterdam. Malgré ce que j'y ai appris, j'ignore toujours si je connais mieux Eliman ou si son mystère s'est épaissi. Je pourrais convoquer ici le paradoxe de toute quête de connaissance. Plus on en découvre un fragment du monde, mieux nous apparaît l'immensité de l'inconnu et de notre ignorance. Mais cette équation ne traduirait encore qu'incomplètement mon sentiment devant cet homme. Son cas exige une formule plus radicale, c'est-à-dire plus pessimiste quant à la possibilité même de connaître une âme humaine. La sienne ressemble à un astre occlus. Elle magnétise et engloutit tout ce qui s'en rapproche. On se penche un temps sur sa vie et, s'en relevant, grave et résigné et vieux, peut-être même désespéré, on murmure. Sur l'âme humaine, on ne peut rien savoir. Il n'y a rien à savoir. Eliman s'est enfoncé dans sa nuit. La facilité de son adieu au soleil me fascine. L'assomption de son ombre me fascine. Le mystère de sa destination m'obsède.
Je ne sais pas pourquoi il s'est tu quand il avait encore tant à dire. Surtout, je souffre de ne pouvoir l'imiter. Croiser un silencieux, un vrai silencieux, interroge toujours sur le sens, la nécessité de sa propre parole, dont on se demande soudain si elle n'est pas un emmerdant babil, de la boue de langage. Je vais fermer ma gueule et te suspendre ici, journal. Les récits de l'araignée mère m'ont épuisé. Amsterdam m'a vidé. La route de solitude m'attend. Eliman, un prénom qui va revenir souvent. Un prénom après lequel je vais courir tout au long de ma lecture. Un prénom comme une ombre qui se dérobe et que je ne cesserai de poursuivre au fil des pages. D'entrée de jeu, je sens l'ouvrage qui en impose. J'entends les mots qui claquent. Je sens ce parfum, lourd et obscur, celui du mystère qui plane. Et j'en redemande. Parce que cet incipit reste sibilant. Il me dit beaucoup et il ne me dit rien. Faut-il vraiment que je vous résume ce livre ? Si je devais me plier à l'exercice, je vous dirais que c'est un mélange de romans d'apprentissage et d'enquête littéraire. Je vous dirais aussi que c'est l'histoire d'un apprenti écrivain qui marche sur les traces d'un écrivain maudit, oublié, effacé. Sur son chemin, il va faire la rencontre d'autres personnages qui vont le mener vers d'autres histoires, qui ne vont cesser de l'initier, de le pousser à s'interroger, qui vont l'accompagner sur son chemin d'écriture aussi, et questionner ses motivations, la place de la littérature et celle des auteurs du continent africain. Je vais te donner un conseil. N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre. Ou si tu le fais, voici la seule réponse possible. Rien. Un grand livre ne parle jamais que de rien. Et pourtant, tout y est. Ne retombe plus jamais dans le piège de vouloir dire de quoi parle un livre dont tu sens qu'il est grand. Ce piège est celui que l'opinion te tend. Les gens veulent qu'un livre parle nécessairement de quelque chose. La vérité, Diegan, c'est que seul un livre médiocre, ou mauvais, ou banal, parle de quelque chose. Un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose. Mais ce seulement est déjà tout. Et ce quelque chose aussi est déjà tout. Alors, est-ce que la plus secrète mémoire des hommes est un grand livre ? Sur bien des aspects, oui. L'exercice de la chronique m'oblige, ou pas, à vous dire de quoi il parle, mais ça reste compliqué, étant donné la structure du roman, son vaste propos et sa longueur aussi. La langue de Mohamed Mbougarsar est flamboyante. Elle s'enflamme pourtant un peu trop parfois, s'emporte et s'enfièvre sur plusieurs pages, enchaînant les phrases à rallonge, les points-virgules, les affirmations, les énonciations, les accumulations. Et soudain, elle reprend un cours plus équilibré. Elle s'apaise et nous rattrape, nous fascine, nous tient collés au déroulé de l'intrigue. On en ressort déconcerté. On peine à s'y retrouver et puis on plonge à nouveau, cherchant l'issue, s'attachant aux mots, aux personnages, pour mieux suivre. Est-ce que je l'ai aimé, ce livre ? J'ai adoré cette lecture et j'en ai détesté certains aspects. J'ai adoré parce que c'est un livre, une écriture, une structure, une thématique qui bouscule, qui cogne, qui dérange et qui secoue. J'ai adoré parce que c'est un livre qui, une fois terminé, laisse pantois. Il m'a fallu mâcher, digérer, assimiler ces plus de 450 pages, puis laisser passer quelques jours avant enfin de pouvoir poser des mots, des ressentis sur ma lecture. Il m'a fallu aussi en discuter avec Jessica, du podcast et du compte Instagram Aquabook. Fin octobre,
cette jeune femme brillante m'a fait l'honneur de m'inviter pour un épisode de son podcast. Et j'ai alors pu confronter mon avis sur ce roman à ses questions, habiles et pertinentes. C'est entre autres la structure de ce livre qui désoriente. C'est cet empilement, cette superposition d'intrigues, ces détours que prend l'auteur, cette narration qui ne suit pas un fil unique, qui déstabilise et embrouille parfois, nous forçant à faire marche arrière pour mieux s'accrocher. Mais ce déséquilibre, justement, n'est-il pas dû à un certain formatage de nos esprits occidentaux? Notre esprit de lecteur ne s'est-il pas habitué à suivre des trames narratives toujours les mêmes, qui chaque fois reviennent et structurent nos récits? Voilà donc un point de déséquilibre qui nous force, nous lecteurs, à nous décentrer et qui impose son propre canevas, tortueux, radieux et insolent. Méfiez-vous, vous, écrivains et intellectuels africains, de certaines reconnaissances. Il arrivera, bien sûr, que la France bourgeoise, pour avoir bonne conscience, consacre l'un de vous. Et l'on voit parfois un Africain qui réussit ou qui est érigé en modèle. Mais au fond, crois-moi, vous êtes et resterez des étrangers, quelle que soit la valeur de vos œuvres. Vous n'êtes pas d'ici. Mais j'ai aussi cru comprendre, et arrête-moi si je me gourre, j'ai cru comprendre que vous n'étiez plus vraiment de vos pays d'origine. Mais alors, d'où ? Bien sûr, je sais, certains d'entre vous le disent. Vous êtes citoyen du monde. Universel. Ah, l'universalité. Une illusion tendue par ceux qui la brandissent comme une médaille. Ils la mettent autour du cou de qui ils veulent. S'ils la mettent autour du vôtre, c'est pour vous pendre. S'ils ne l'y mettent pas, la réclamer en pleurant ne changera rien. Il n'y a d'universel que l'enfer. Brûlez les médailles et les mains qui les tiennent. Arrachez les derniers lambeaux de l'ère coloniale et n'attendez rien. Au feu toutes ces vieilleries, à la braise, à la cendre, à la mort. Écrivez au pétrole. Mohamed Mbougarsar n'est pas un novice dans le milieu littéraire. Il est déjà l'auteur de 3 romans remarqués et primés. La plus secrète mémoire des hommes a fait sensation dès sa parution. Il figure dans la liste de nombreux prix. Le Femina, le Renaudot, le prix Décembre, le prix Jean Giono, et enfin le très convoité prix Goncourt. Autant dire qu'il sera forcément récompensé par cette même France bourgeoise qu'il fustige. Un constat à la fois drôle et amer. La plus secrète mémoire des hommes. Un livre que je ne peux que vous recommander. Vous devez vous plonger dans ces lignes. Vous forgez votre avis propre concernant cette histoire, ces personnages, ce ton à la fois ardent, brûlant, éclatant et parfois assommant. Mohamed Mbougarsar nous tend un miroir féroce et nous force à y observer une société littéraire loin d'être reluisante. Alors quoi ? Que faire de la reconnaissance des pères occidentaux? L'accepter et intégrer un système qui fait montre d'une admiration retorse et trompeuse? Ou alors balayer ce même système, renverser la table et faire se lever un vent de révolte? Telle est la question, douloureuse, torturante, que semble se poser l'auteur et son texte. Lisez-le. Et si le 3 novembre prochain, il décroche le Goncourt 2021, ce sera amplement mérité. Mais il faudra observer l'auteur, se pencher sur ses premiers mots, sur ses premières déclarations. Ils diront sûrement ce que vaut à ses yeux cette médaille au goût de braise. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît ? Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas
à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt.